Alors, nous sommes donc au milieu des années, dans la deuxième partie des années 70, et beaucoup de choses se créent à Laval, en anthropologie, à la faculté, y compris ce besoin de pouvoir trouver des médias pour publier des travaux anthropologiques, tant en anthropologie générale que dans le monde inuit. Alors, côté inuit, on a fait faire une petite étude de marché auprès des principaux grands chercheurs internationaux dans les différentes régions du monde, grâce à Monique Vézinet, qui était étudiante graduée, qui a fait une belle maîtrise chez nous sur la toponymie. Elle a réutilisé des enquêtes qu'on avait faites, mais avec une approche plus sémiologique, etc. Et puis, elle a travaillé comme première rédactrice en chef de la revue. Et on a sorti un premier numéro en 77 avec les souvenirs intra-utérins publiés en langue inuite et traduction, traduction mot à mot. Et puis, d'autres témoignages de divers chercheurs. Et puis, il y a eu Anthropologie et Société avec Yvan, qui le projet s'est élaboré d'abord sous une forme plus modeste que la revue qu'elle est devenue. Et puis, il y a eu ce premier numéro sous le titre Anthropologie et Société imprimé, qui a le format de la revue encore actuel, sur le rapport homme-femme. D'ailleurs, c'est ici à Beaumont, dans ma grande maison, que s'est réuni un petit comité qui comporte les deux tiers des auteurs de ce premier numéro et qui a été choisi le thème « Le rapport homme-femme ». Et à ce moment-là, j'avais encore une approche un peu teintée des travaux des féministes de l'époque, en France ou ici, sur la grande question était la domination masculine sur les femmes. Et à tous les niveaux, y compris dans le féminisme universitaire, l'accès aux femmes aux postes supérieurs de l'enseignement. Et j'avais collecté des données qui venaient un peu conforter chez les Inuits une certaine domination masculine, en dépit du fait que j'étais au courant de ces travestissements, du fait qu'il y avait des femmes chamanes, mais en moins grand nombre. Et ça a été le premier article qui a suscité d'ailleurs une madame, son nom comporte Lévite, en deuxième, le deuxième mot, L-E-V-I-2-T, je pense. Et le premier nom, c'est pas Bennett. Enfin bref, une américaine, une anthropologue américaine, dont le mari est bien connu pour ses travaux en Amérique latine, a protesté violemment. Je pense qu'elle a résilié son abonnement. Bref, ces données commençaient à susciter des réactions. Mais c'est ma dernière phase. Je venais de publier dans le dictionnaire de l'encyclopédie d'Yves Bonnefoy, qui m'avait sollicité via les hautes études, où j'avais été enseigné, où j'ai été enseigné un an, je pense, en 80, invité par Amaillon. Et là, on m'a sollicité pour cette encyclopédie italienne. Et ils ont traduit mon texte et ça portait sur chamanisme et christianisme. Et puis le troisième genre, avec l'hypothèse que, enfin au XXe siècle, que même dans le christianisme, les principaux catéchistes ou dans l'anglicanisme avaient aussi souvent ce profil. Bref, à ce moment-là survient aussi une invitation de la Smithsonian pour le Handbook of North American, qui était en cours de réédition, et c'était plus de 20 volumes, pour traiter donc un volume sur les Inuits, sur le Nord,
animé par David Damas du Musée national, que je connaissais bien et avec qui on discutait souvent du problème de parenté. Et ils m'ont demandé de faire partie du comité d'édition de ce volume et puis de rédiger la partie du Québec arctique. Et donc ça, c'était un gros morceau, mais qui tombait à point parce que on réalisait des enquêtes depuis plusieurs années dans chaque village avec Louis-Jacques. Alors j'ai consulté Louis-Jacques pour l'ethnolinguistique, pour ne pas faire d'erreur. Et puis, plusieurs des chercheurs de l'équipe, je leur soumettais les idées. Donc cette idée qu'il y avait eu un peuplement intérieur, insulaire et côtier, et que les trois étaient complémentaires. Vivaient l'un par l'autre et que les échanges apportaient aux côtiers ce dont ils manquaient et inversement, pour les côtiers, ils avaient besoin de produits de la mer ou de peaux de caribou et souvent les intérieurs rencontraient les insulaires sur la côte. Et donc, c'était une hypothèse qui a été étayée par, en même temps, les études de technologie. On rapportait au ministère des Affaires culturelles des collections. Et ils étaient très ouverts à ça. Il y avait plusieurs anthropologues qui travaillaient aux affaires culturelles. Il y avait un chercheur d'origine hollandaise qui avait fait de l'archéologie. Je ne me souviens plus de son nom, mais donc on était en milieu connu. Et les collections qu'il y a maintenant au Musée de la Civilisation proviennent en grande partie des collections qui avaient été entreposées auparavant aux affaires culturelles. Donc c'était une ouverture sur, j'allais dire, les institutions extérieures, nationales et internationales. Donc il y avait la France avec Robert Armaillon, ses équipes, le LAS, le Laboratoire d'Anthropologie Sociale, avec lequel on a entretenu des rapports avec les accords France-Québec. On pouvait inviter des chercheurs du LAS, il y en a eu plusieurs qui sont venus. Godelier est venu enseigner, il y a eu... Il y a eu Pierre Bont qui est venu, il y a eu l'ancien, cet africaniste qui était très lié à Chantal Collard, qui a dirigé, comment est-ce qu'il s'appelle, qui lui, quand le numéro, un peu plus tard, qui incluait un article sur le troisième sexe, je pense du projet Paradis au sexe des anges, a fait un article spécialement dans le supplément littéraire du Monde, où on annonce les nouvelles... Abélès, Marc Abélès, est venu lui aussi, et lui s'est reconnu dans le modèle. Lui et sa femme, et il s'est reconnu dans le modèle, ils m'ont invité en France, on a longuement discuté de tout ça, et... Il avait parfaitement compris, d'ailleurs tout le numéro que j'avais co-géré avec Chantal Collard traitait de la parenté et ça a été assez important et assez bien accueilli au Québec. Donc le Québec s'ouvrait un petit peu plus au monde, il y avait des échanges, on avait des petits programmes qui payaient le voyage dans les deux sens et... C'est ainsi qu'à un moment donné, Michael Elbaz a fait venir une collègue de France que je connaissais un peu, Françoise Morin. Et donc là, on est dans les années 80. À ce moment-là, donc au début des années 80, j'avais déjà derrière moi des années d'enseignement à Laval. J'ai obtenu une invitation de l'École pratique des hautes études en sciences religieuses par Robert Armaillon et soutenu par Luc Deuch, etc., pour m'inviter pour un an comme directeur d'études associé étranger. Luc Deuch avait, je pense, soutenu... Ah oui, il y avait eu aussi un épisode où la chaire de Lévi-Strauss à l'École pratique avait été ouverte quand il a pris sa retraite, et on m'avait suggéré, me disant que le laboratoire était assez favorable à ce que je propose ma candidature
en section des sciences religieuses. Bon, moi, j'avais eu déjà l'épisode dans les années 74. Et bon, je l'ai fait néanmoins sous la pression des collègues, de gens comme Claude Tardy et d'autres du laboratoire. Mais il y avait comme candidat, ce que je ne savais pas, c'était Pierre Clastre, qui était un grand ami. On avait été voisins de bureau, j'avais été dans sa maison du sud de la France plusieurs semaines. Nos familles étaient proches. Et puis, j'avais aussi une collègue qui a écrit « Façon de faire, façon de dire ». Yvonne Verdier, qui était très proche, plus jeune que moi, que j'avais connue étudiante, et qui se pâmait quand elle entendait des récits comme le récit des souvenirs intra-utérins. Et quelque part, elle a, et puis par le modèle troisième genre, bien sûr, et elle a découvert d'un point de vue féminin, à travers la femme qui lave et la laveuse et la cuisinière, des femmes fortes dans la tradition paysanne française, qui, comme par hasard, s'occupent des naissances, s'occupent des morts, et en même temps, la cuisine, mais pas au sens superficiel du terme, la cuisine dans le sens point essentiel dans la maison, et celui qui contrôle la cuisine contrôle la famille quelque part, l'alimentation, etc. Et donc ces femmes fortes, si je peux dire ainsi, étaient un modèle fascinant, et ce livre a eu beaucoup de succès en France. Yvonne Verdier est venue au Québec, est allée visiter les Amérindiens et rêvait quelque part. Malheureusement, comme Pierre Clastre, elle était très proche aussi de Pierre Clastre, et entre les deux vieilles maisons au sud du Massif central, Pierre Clastre est mort en revenant de chez les Verdier, et Yvonne Verdier s'est tuée en revenant de chez les Clastre. Au même endroit, pratiquement, accident de voiture, il y avait un tournant, je me souviens, on est allé, comme moi, j'étais lié avec les deux, mais c'est une personne qui a beaucoup influencé toute l'anthropologie qui se fait à Toulouse, l'équipe, l'antenne des hautes études, Marlène Lorca, et puis son mari. Tous les deux ont beaucoup d'admiration pour elle, et puis Madame Vazas, et sont influencés. Et donc, je veux le mentionner parce que ces liens se sont forgés avec une même approche, qu'il s'agisse de parenté occidentale ou de parenté éloignée. On trouvait des universaux dans ces structures familiales. Et en même temps, au retour, j'ai beaucoup travaillé avec Chantal Collard. On donnait le cours de parenté un temps ensemble, comme je l'avais donné avec Nancy Schmitz. J'avais obtenu, discuté avec les étudiants. Ils étaient contents qu'il y ait un homme et une femme pour traiter des rapports femmes-hommes. Et ce cours, après, on me l'a fait continuer tout seul. Mais enfin, je l'avais un peu initié. Et à la limite, c'est un cours qui ralliait beaucoup d'étudiants. Il y avait parfois une centaine d'étudiants à ce cours. Et il y a eu des débats animés parfois quand on discutait de l'évolution de la société. Les garçons se plaignaient de se faire voler leurs petites amies par des machos français qui débarquaient et qui chantaient la pomme à leurs copines. Et eux qui se disaient des hommes roses, qui aidaient à la cuisine, faire la vaisselle, faire la lessive, le ménage, étaient très dépités et me disaient « Mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et alors, bon, j'abrège ça, mais c'est un sujet à reprendre. Des échanges se sont faits très vite avec le laboratoire. Françoise Zonnebund, qui dirigeait un peu le groupe d'études rurales, venait et nous avons élaboré, Chantal Collard, moi-même, avec Edith Delery, de psychologie de Laval, qui avait beaucoup travaillé sur l'androgynie psychologique et qui s'intéressait au modèle de troisième genre. On a eu deux des étudiants de psychologie qui sont montés avec Glolic
pour faire des entrevues avec les Inuits et c'était très intéressant. On a eu Hélène Gay qui était une des grandes assistantes sur ça et qui a découvert que parmi les femmes qui avaient des emplois salariés à Igloolik, et il y en avait pas mal, les deux tiers avaient été éduqués comme des garçons. Donc ça venait conforter un peu ce modèle et montrer qu'il y avait là une dimension qui avait été méconnue, autant dans les études contemporaines que traditionnelles. Et puis, ces liens ont aussi correspondu à la remise du temps du mandat à la direction de Pierre Maranda, la remise d'un doctorat honoris causa à Claude Lévi-Strauss. Rappelons que Pierre Maranda avait été le coéditeur avec Jean Pouillon du volume d'hommage à Lévi-Strauss à la fin des années, enfin dans les années 70, où Rémi Savard avait contribué par un article sur la mythologie et moi-même un article sur la parenté dans le Nunavik, où pour la première fois j'appliquais des méthodes structurales issues de l'enseignement de la théorie de l'alliance et d'une façon de travailler dans la parenté. Et je sais que par la suite, Eric Schwimmer, que je connaissais par ailleurs, utilisait beaucoup cet article à Toronto quand il était professeur là-bas. Donc, c'est créé tout un réseau, c'est renforcé tout un réseau. Et alors, la venue de Claude Lévi-Strauss, ça a été un événement. À Laval, il y a eu une conférence, il a participé à un jury de thèse. Je me demande si c'est pas là qu'on a eu le premier doctorat avec Gilles Bibeau, enfin c'est à vérifier, mais enfin il était présent au département, il a participé à plusieurs activités et un débat autour de la sociobiologie. C'est un thème qui préoccupait beaucoup le département. Alors bon, Lévi-Strauss avait pris des positions là-dessus, mais comme il le fait toujours, quand même assez fair play. Et moi, je revenais de chez les Inuits à ce moment-là. J'y avais participé avec plusieurs collègues. Simonis était là, bien sûr. Je crois qu'à ce moment-là, il dirigeait la revue Anthropologie et Société. Et je signale qu'on a eu là une thèse à ce moment-là, une thèse de doctorat avec Peter Frost, qui avait été formé en biologie avant de venir en anthropologie, et que j'avais eu comme étudiant dès le premier cycle, et j'avais co-dirigé avec Elbaz sa thèse de maîtrise sur la teinte de la peau. Et je sais qu'il a rencontré des obstacles pendant plusieurs années autour de son sujet de thèse et le comité qui recevait les projets de thèse, enfin, a été très réticent. Il a vraiment fallu des collaborations de sociologues, Denis Delage, le collègue Gagné, qui était aussi dans le comité pour qu'il passe cette thèse qui finalement a été publiée en français, en anglais, et Peter Frost est assez connu dans le monde anglo-saxon, et j'ai gardé des liens avec lui, et il y avait là donc aussi des tendances à Laval qui parfois était plus ou moins ouverte ou réceptive. Mais le département était considéré au Canada comme le département structuraliste avec donc de grands professeurs comme Eric Schwimmer, Pierre Maranda, Yvan Simonis. Et moi, on me classait dans les structuralistes. J'ai jamais revendiqué ce terme, même si j'avoue appliquer beaucoup d'aspects de l'approche structurale, et je dois dire que Lévi-Strauss néanmoins m'a toujours encouragé à faire de l'ethnographie, et que quelque part je voyais qu'il y avait chez lui comme un rêve qu'il vivait à travers ce que je faisais. J'avais porte ouverte à son bureau n'importe quand, sans rendez-vous, à n'importe quelle heure. Il m'avait dit ça, et j'en ai pas abusé, mais j'en ai profité souvent. Et il avait toujours des petites notes qu'il avait accumulées dans un de ses tiroirs à mon intention pour ma prochaine visite, qu'il avait trouvé dans tel livre, dans telle publication. Et il m'écoutait
Alors que beaucoup de collègues qui se voulaient structuralistes, quand je descendais de là, me disant « Comment trouves-tu le patron ? Il ne s'intéresse plus à rien. On a essayé d'aller lui présenter un article qu'on vient d'écrire, l'application de ta méthode structurale, et on avait l'impression qu'il s'endormait. Alors je lui ai dit « Mais j'ai trouvé un homme égayé, curieux, avec toujours s'intéressant. » Alors, bon, je ne sais pas. Et j'ai conclu à la fin qu'il avait horreur qu'on cherche à l'imiter. Et que par contre, tout ce qui lui permettait d'élargir ou même d'aller au-delà de son modèle, il était très réceptif. Et j'allais dire jusqu'à la fin de sa vie, parce que finalement, en 2006, la préface que lui a demandé Nicole Belmont pour mon ouvrage « Être et renaître inuit », à ma très grande surprise, il se ralliait au modèle du troisième sexe. Et il allait beaucoup plus loin même encore. Et donc, on avait là un personnage extrêmement fascinant, d'une part par sa sensibilité, son humanité, derrière une apparence d'homme archilogique, s'entourant de modèles mathématiques, mais j'ai toujours pensé que c'était pour masquer quelque part une sensibilité beaucoup plus développée que la moyenne des gens. Et on le voit dans son œuvre, les catégories du sensible, que ce soit l'olfactif, le visuel, le choix de ses titres, les couleurs de ses titres, tout est rempli de sens. Et là, on a évidemment un très grand homme qui avait en plus une mémoire fabuleuse. Et son passage à Laval a été comme un hommage qu'il a rendu à ce département. Je pense que parmi nos étudiants, il y en a un certain nombre qui suivent et qui encore maintenant développent certaines thèses, certaines approches. Et au-delà de lui, à Marcel Mauss, qui a quand même été pour lui aussi un maître à penser. Et donc, ces liens se sont entretenus par divers chercheurs de Laval qui gardent des liens avec le laboratoire d'anthropologie sociale. Et plusieurs chercheurs de ce laboratoire ont participé à des ouvrages collectifs édités à Laval dans la collection que co-dirige Frédéric, actuellement moi-même, et Sylvie Poirier, la nouvelle directrice du département. Donc tout ceci forme un peu un tout. Et finalement, les liens sont aussi forts avec le reste du Canada. L'extension des centres de recherche, maintenant interuniversitaires, même dans le réseau québécois, on est sorti de cette compétition qui a accompagné le développement de l'anthropologie à Laval, qui était un peu concurrentielle. Et maintenant, de plus en plus, des échanges, de la co-appartenance, des projets communs, etc., se développent. Et donc, ce passage de Lévi-Strauss a été un événement dans l'histoire du département. On est dans les années 80, donc on avance, et là, de grands projets. Il y a maintenant des subventions pour des projets de plusieurs années, de grande envergure, et on nous encourage, surtout quand on veut développer des idées nouvelles ou vérifier des hypothèses nouvelles, et ça a été le cas à Laval, et moi-même, j'ai été très sensible à tout ça. Donc ce projet qui s'est appelé le projet Paradis, parenté, adoption, identité, venait développer la parenté, l'identité, c'est la transmission du nom notamment, et l'adoption, grand thème au Québec, grand thème chez les Inuits et ailleurs. Et ce projet qui regroupait donc Chantal Collard, qui étudiait un petit village, Marc-Adélard Tremblay avec l'île Verte, Petite Rivière Saint-François pour Chantal Collard. Moi-même, je travaillais à l'île aux Grues sur justement les pratiques parentales et autres. Et avec en arrière-plan cette hypothèse qu'on fabriquait des individus du troisième genre ou du troisième sexe social, y compris dans nos sociétés rurales, dans nos sociétés occidentales, quand on avait un manque
de filles dans une fratrie ou de garçons dans une autre fratrie, un des garçons pouvait remplir ce rôle. Et même dans les familles nombreuses, il y avait comme ça des destins qui se fabriquaient. Et donc, une des psychologues, des gens de lettres qui participaient, des anthropologues sur les sociétés rurales, nous chez les Inuits, ça a donné un grand projet et qui n'a pas fini d'avoir des développements. Et le premier article sur ce thème en 1960, on est en 85. Oui, publié en 86, mais c'est un numéro de 85, un numéro double, Parenté au Québec. Donc, qui avait été très, très bien accueilli en France, au point que ces gros numéros sont arrivés à épuisement, je pense, assez vite, vu la demande de part et d'autre de l'Atlantique, comme le numéro que nous avons fait un peu plus tard d'Anthropologie Société, Médiation Chamanique, Sexe et Genre, qui est épuisé depuis très longtemps, tellement la demande a été forte. Donc, des thèmes nouveaux, traités avec des méthodologies quand même éprouvées et qui permettent des comparaisons, des études multisites et surtout qui apportent soit une lumière nouvelle, soit des méthodes nouvelles pour faire apparaître des faits nouveaux qui existaient depuis longtemps mais qu'on ne voyait pas. Alors, à partir de ce moment-là, c'est là aussi que est arrivé à Laval, à l'occasion de grands congrès internationaux qui s'y tenaient, Françoise Morin notamment, que j'avais connue lors de mes deux années séjour en France, lors de la création de l'Association française des anthropologues. Elle organisait un atelier sur l'identité et puis l'implication aussi des anthropologues dans la société civile pour utiliser leurs expertises. Jean-Jacques Chalifou y était. Je pense que Michael Elbaz a aussi participé. En tout cas, bref, il avait des relations avec les études sur l'ethnicité que Françoise Morin avait été une des premières à introduire, surtout les théories de Frédéric Barthes, qu'elle avait découvertes aux États-Unis lors de longs séjours qu'elle y a faits avec des bourses américaines. Et ça intéressait plusieurs collègues de Laval, donc Michael Elbaz, Jean-Jacques Chalifou et d'autres. Et donc, je l'ai retrouvé à Laval. Et puis, nous avons commencé à développer des projets ensemble. Je l'ai emmené à Igloolik plusieurs fois, tant à propos de l'ethnicité que du leadership et du développement politique autochtone qui, depuis les années 70, avait pris une extension très forte et où les Nord-Américains, les autochtones nord-américains, jouaient un rôle pionnier à l'ONU dans les instances internationales. Et grâce à elle, j'ai découvert au début des années 80, au milieu des années 80, par ses travaux d'abord, et puis elle m'a emmené à l'ONU en 88. Et à partir de ce moment-là, chaque année, nous sommes retournés à l'ONU, suivre les débats, le projet de déclaration universelle des droits des peuples autochtones, et puis après, création de l'instance permanente à New York, chaque année, et nous avons continué là-bas, une fois que le projet de déclaration a été mis au point, jusqu'à son adoption par l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, on a suivi tout le processus, elle depuis pratiquement le début, dans les années 84, et moi, elle m'a sensibilisé à ça. Et nous avons fait des projets qui incluaient donc la dimension religieuse, donc ce qui voulait dire le chamanisme, puis des aspects de la christianisation, et puis le politique. Donc, on a fait un grand projet à un moment donné
des prêtres, des chefs et des chamans, comparaison, et on a fait le projet d'aller dans des régions où le chamanisme avait été une tradition et l'était encore, ou dont on s'en souvenait, ou connaissait une résurgence. L'Amazonie était un des grands bassins, immense bassin territorial, où le chamanisme n'avait jamais disparu et connaissait même une sorte de revitalisation. C'était le début. La Sibérie, pareil, avec donc nous avons, et en même temps que le groupe d'études inuites circumpolaires s'ouvrait grâce à l'action de Gérard Duhaime, qui a réussi à faire inviter une délégation russe de Novosibirsk pour un congrès Québec-Fédération de Russie, pour travailler sur le développement politique. Et donc, ils sont venus à Québec et le GETIC, ce groupe d'études inuites circumpolaires, a invité des collègues de nombreuses universités du Canada pour associer. Donc, le GETIC prenait une dimension tout à fait internationale et interprovinciale. Ça, c'est une étape très importante. Les étudiants s'y impliquaient beaucoup sous l'action de Gérard, qui était entré comme étudiant, enfin qui venait de soutenir son doctorat et qui a fait un directeur très dynamique et qui a plus tard créé une chaire, la chaire Louis-Edmond Hamelin, et qui est toujours un membre actif et productif du Sierra maintenant, que depuis l'action de Frédéric s'est élargie au monde autochtone en donnant au département un centre de recherche, un grand centre interfacultaire, multidisciplinaire et interuniversitaire. Alors, avec Françoise Morin, donc, on a commencé à élaborer avec un collègue de sciences politiques, Pierre Jarlier-Forêt, un grand projet où la Sibérie aurait sa place. J'avais participé à un grand colloque en 90 à Helsinki sur les religions du Nord. Et donc, il y avait là tous les grands experts du chamanisme, Robert Amaillon, Ulf Kranz, et puis de grands noms. J'avais lu leurs œuvres, mais je ne connaissais pas les individus. Et là, j'ai proposé pour la première fois le sujet du troisième genre, en montrant pourquoi la tradition évolutionniste avait fait du travestissement un reste du matriarcat. Ça avait été repris par le marxisme, qui s'est inspiré beaucoup de l'évolutionnisme, et même à la limite par les premiers grands spécialistes, dont Eliade, qui, dans son premier livre sur le chamanisme, parle du travestissement comme un reste du matriarcat, et c'est la doxa soviétique. Donc, on retrouve encore dans les musées russes actuels, ils ont beaucoup de mal à se mettre à la nouvelle approche de l'anthropologie, ils ont leur propre tradition, l'ethnogénèse, etc. Mais, malgré tout, certains chercheurs russes, comme Basilov, le regretté Basilov, que j'ai bien connu, il était, je crois, à Helsinki, mais je l'ai retrouvé surtout dans d'autres colloques, dont un grand colloque à Yakoutsk sur le chamanisme comme religion. Et comme par hasard, nous faisions tous les deux une communication sur le troisième genre, sur le travestissement. Alors, tous les deux, on s'est presque jetés dans les bras l'un de l'autre en découvrant ça, sans le savoir auparavant. Et on a eu de très longues discussions grâce à Robert Amaillon, qu'il connaissait très bien, qu'il l'a invité souvent en France. Et il a traduit en russe, il m'a proposé de traduire en russe pour publier dans la revue d'ethnographie russe, je pense Sovietskaya Ethnographia, enfin je ne retiens pas par cœur, mon article qui venait de paraître dans La Recherche en 92. Et grâce à lui, cet article est paru en russe. Et je commençais à conforter ce modèle, surtout en préparant, grâce à ce passage à Yakoutsk, qu'on avait retrouvé là la ministre de la Culture qui avait été prof de français pendant longtemps et qui nous a accueillis dans sa famille et qui nous a aidés à élaborer un projet
pour la Yakoutie. Alors, le projet avec Laval avait eu lieu en 90, sur l'Ob, un grand congrès. On partait de Novosibirsk et puis on rejoignait l'Ob et on remontait presque jusqu'à l'océan glacial. On arrivait chez les Khantymantsik et là, on a quitté le navire. On a eu une petite vedette qui est partie sur un petit affluent et on est arrivé dans un village Khantymantsik où il y avait encore ou à nouveau des fêtes de l'ours, etc. Et sur le bateau, comme on avait notre interprète venu du Québec franco-russe qui nous permettait en cachette de rencontrer des autochtones alors que c'était encore à ce moment-là des communistes purs et durs, essayaient d'avoir leur interprète et d'éviter qu'on ait des contacts avec les leaders autochtones. Et on a pu en parler à deux qui nous ont dit « Mais écoutez, venez en Yakoutie, on va vous organiser du terrain chez les Yukagir, ça nous intéressait, et puis chez les Tchouch éventuellement, au nord de la Colima. » Et c'est comme ça que de nouveaux liens se sont créés et que s'est élaboré un grand projet multidisciplinaire qu'on a réalisé les années suivantes.